vois un joueur que je connaissais pas, qui a fait une grosse progression cette année, parce qu'il a commencé en... Je regardais un peu, je me suis renseigné, il a commencé en futur, il a gagné plusieurs futurs, il est passé en challenger, il a gagné un challenger, il a refait finale en challenger il y a quelques semaines. Puis il s'est qualifié en gagnant vraiment très facilement tous ses matchs. Donc voilà, il est jeune, je me suis dit, ça peut... Voilà, c'était pas forcément facile en termes de repères. J'en avais pas beaucoup moi-même non plus. J'ai pas joué depuis un moment. Et donc du coup, voilà, j'ai essayé de faire mon match juste très appliqué. Sans en faire trop non plus. J'ai pas l'impression qu'en termes de niveau de jeu, c'était incroyable. Mais encore une fois, j'étais pas trop dans le jugement. Je me suis dit, je fais ce que je peux à chaque point. C'était mieux que ce qu'il faisait lui. Et j'ai réussi à garder ça tout le match. Prochain tour, en remit, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ouais, bah ça va être. Ouais, Milo, je connais bien. Ça va être difficile. C'est pas le joueur que j'aime jouer ou affronter en général, parce que c'est compliqué pour moi de retourner. Normalement, je retourne très bien, mais contre ces joueurs-là, vraiment, ils servent trop bien. Donc là, je suis au même niveau que tout le monde au niveau du retour. Et puis voilà. Après, ils mettent du coup énormément de pression. Voilà, j'ai réussi à le battre la dernière fois. Ça, c'est cool, parce que sinon, j'étais sur trois défaites, je crois, avant ça. Peut-être même 4, je ne me rappelle plus bien. Mais voilà, j'ai jamais eu un très bon feeling avant de le jouer. Pour autant, voilà, je l'ai déjà battu. J'ai réussi à battre un autre très grand serveur qui ne me réussissait pas avant. C'était Kevin Anderson en Inde. Donc on va voir si j'ai progressé à ce niveau-là.